Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Didikem. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau glitch sur GTA V qui nous permettra de gagner beaucoup d'argent et très très rapidement. Alors, pour commencer, il vous faut deux garages dans la même tour. Ça jusque là ça va. Voilà. Ensuite, vous allez acheter une voiture. Vous allez dans les Legendary Motorsport. Ensuite, vous choisissez la Elegy R8, gratuite en plus, elle est gratuite. Voilà, une fois achetée. Moi je l'achète pas parce que je l'ai déjà achetée. Hein. Voilà. Alors, une fois que vous l'avez achetée, vous allez au Los Santos Custom. Vous la personnalisez à fond, tout ce que vous pouvez au maximum quoi. Vous mettez le maximum que vous pouvez dessus, ce que vous pouvez sur votre voiture. Comme ça, elle vaudra plus cher. Ensuite, maintenant, on va la dupliquer. C'est-à-dire qu'on va en avoir plusieurs. Alors, pour la dupliquer, vous allez là, près de la porte d'entrée. Et on va coincer la voiture ici. Voilà. Là, on sort. Ensuite, vous prenez une vieille bagnole dans la rue. Faut que ça soit vraiment une vieille bagnole. Hein. Pas des bagnoles où on peut pas les rentrer dans les garages. Voilà. Hop. Faire attention de pas attirer les flics aussi. Ensuite, vous mettez environ. Attendez voir. Comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez ça d'affiché, vous faites rond. Vous sortez de votre voiture. Alors, il vous faut impérativement des missions de Simon, Martin et tout dans votre liste d'activités. Il vous en faut obligatoirement. Alors, ce qu'il faut faire, c'est aller là. Vous faites rejoindre partie aléatoire en attente, valider, valider. Ensuite, vous mettez votre téléphone sur l'activité. Vous appuyez sur triangle. Et une fois qu'il ouvre la porte, directement vous appuyez sur valider. Voilà. Ici, on ne touche à rien. On ne touche à rien. On attend le logo téléchargement. Et là, et c'est à partir de là, par contre, après quand il y a le logo téléchargement, il faut aller très très rapide, très rapidement. Là, tout va se faire très vite en fait. Dès qu'il y a le téléchargement, dès que la partie elle se lance, il faut faire rond, croix, croix. Tout vite, rond, croix, croix. Comme je vais le faire. Mais voilà, il faut faire rond, croix, croix. Sans hésiter. Voilà, là il y a l'icône téléchargement, j'arrive dans la partie et là, rond, croix, croix. Et là, directement, il faut aller vers la bagnole et appuyer sur triangle. Voilà, la voiture va bouger tout seul, c'est pas vous qui le faites en fait, c'est l'ordinateur, on fait rien du tout. Alors vous attendez, et vous êtes téléporté directement dans le garage. Alors n'oubliez pas de faire tout de suite triangle près de la voiture, faut le faire tout de suite parce que sinon vous serez téléporté dans le garage sans la voiture. Et le glitch n'aura pas fonctionné. Ensuite vous sortez de votre garage. Et vous verrez que le double, la duplication, est ici. Ensuite, vous allez me dire, oui, mais la Elegy, on peut pas la vendre. Oui, et bah, c'est pour ça qu'en fait, il faut faire la technique du bypass. Alors, il vous faut un garage plein. Et toujours pareil, il vous faut deux garages. Mais il vous en faut un plein. Alors, je rentre dans le garage numéro le 2, celui qui est plein. C'est-à-dire 10 voitures. Il faut qu'il soit rempli. Voilà, bon là il y en avait déjà trop, mais c'est pas grave, de toute façon on va la changer avec une autre. Voilà. Et voilà notre voiture. Ensuite, ce que vous allez faire, pour plus de facilité, vous allez mettre votre voiture en première position. Celle sur laquelle vous voulez mettre le bypass. Celle où vous voulez le bypass, vous allez la mettre en première position. Voilà. Ensuite, vous prenez la voiture, vous sortez. Ça, le bypass, et en fait, en plus, vous pourrez la vendre, mais en plus, à chaque fois que vous le faites, il n'y aura pas de limite de temps. C'est-à-dire que vous pouvez la vendre autant de fois que vous voulez, sans limite de temps.
Et une bagnole comme ça, bah vous verrez le prix, c'est déjà pas mal. Et encore, moi, c'est ce que au niveau RP, je suis pas encore à fond, mais pour ceux qui ont beaucoup de trucs à personnaliser sur la voiture, qui peuvent beaucoup tuner. Bon, bref, là, vous mettez votre onglet sur le navigateur. Et vous avancez, et dès que vous arrivez en fait au bord, à la limite où on vous demande d'aller dans le garage, il faut appuyer tout de suite sur le navigateur. Il faut y aller très très vite. Là, on avance. Vous voyez là, ça n'a pas marché. Allez, on avance et on appuie. Là, ça a marché. Voilà. Ensuite, là, jusque là, là, il n'y a pas besoin d'aller vite. Et par contre, n'oubliez pas de régler sur votre garage qui est plein. Et par contre, là, une fois que vous aurez appuyé là, faut aller très très vite. Hop, j'appuie là. Je prends celle-là. J'achète. Hop, deuxième garage. Et vite quand les portes se ferment. Il faut appuyer sur croix en fait sur la voiture. En première position sur les i. Vite, juste au moment où en fait la porte se ferme. Et comme ça, vous l'avez. D'accord? Ensuite, regardez, bon là j'attends qu'elle soit livrée. Je vais le faire avec une autre que j'avais avant. Que j'ai déjà mis le bypass et sur celle-là, je l'ai déjà mis. Et après, on va quand même revendre l'autre qu'on vient de faire et vous verrez que ça marche parfaitement. Maintenant, on se rend au garage. Bon, normalement, par principe, faut essayer de pas trop la casser. Pas comme moi, faire un carnage avec. Bon, après, vous perdez pas beaucoup de sous quand même pour quelques égratignures. C'est quoi? C'est 500$ et basta quoi. Sur la somme qu'on va se faire, c'est rien du tout. C'est vraiment rien. Ouf, au bout d'un moment, je regardais mon micro, j'avais peur qu'en fait ils soient éteints depuis le début de la vidéo. Mais non, ça va en fait. Voilà ce que t'aimes. Voilà, vous rentrez. Ensuite. Bah pas besoin de la réparer, direct vous la vendez. Vous avez vu, 80 000 pour une voiture qui est gratuite. Hein. Bah à part, voilà, faut juste investir pour la personnaliser, la tuner pour qu'elle ait la valeur. Mais 80 000, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien quoi. Mais je vais vous montrer après dans une prochaine vidéo une technique encore plus rapide et plus simple. Vous verrez. Ensuite, regardez, je vais appeler là et les gears. Par le mécano, celle qu'on vient de faire actuellement. You're through to your garage. You need me to bring you a ride? Alors, elle est dans le garage là, voilà. I'll bring it to you. Demandez-les les gears. On attend qu'elle arrive. Maintenant qu'elle arrive, ben, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. J'essaierai de mettre des glitches le plus souvent possible dès que j'arrive à les trouver sur les sites américains ou quoi que ce soit, sur les vidéos américaines et tout. Ben, j'essaye de vous les mettre dès que je peux quoi. Moi je vous ai mis celui-là parce que c'est un des plus simples et un des plus rentables, mais celui que je vais vous mettre après il sera encore plus rentable. Il sera vraiment très très rentable. Voilà, regardez, on va aller la vendre. Et je la vends 80 000 $ encore une fois. Et ben voilà. Ben alors c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez faire ces techniques autant de fois que vous voulez. Voilà, alors là c'est la fin de la vidéo. Ben alors je vous dis à très bientôt sur la chaîne Eddie Game. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Allez, bonne journée à vous, au revoir.